run games to run against Washington series. I think we only have like 2 or 3 days in between the games. You know, anytime we're on RDS, it goes through our dressing room to the French guys that, hey, we're on RDS, and they're, you know, they enjoy that. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Pierre Houde. Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite la bienvenue au reportage de ce premier match de la série demi-finale de l'Association Est. Pittsburgh, encore, tout le monde pensait qu'il allait nous battre. So the first game didn't go well. Voilà, tir de gauche, on est à but! Et dans le temps, ça va, c'est but! On a vraiment joué de mauvaise. Puis je pense que ce match-là, on a perdu André Markov aussi. Et ça revient à André Markov. Markov vers Giontaro. Markov a été plaqué durement dans le coin. Reste étendu sur la patinoire. So, it didn't go well for myself, personally. Crosby, de l'autre côté, Bergeron, il a but! Et c'est 5 à 3. They pulled me out and played in the third. Bon, ben moi, Benoît, je m'attendais à ce qu'on va voir présentement. On va donner un petit repos à Yaroslav Halak. So, the first game, we end up losing. Et Guérin va sceller l'issue de ce match avec ce but en infériorité du Bon, quand c'est un match que tu le perds 7-1 ou 1-0 ou 2-1 en troisième prolongation, ça compte pour 1. Fait que tu es rendu là, c'est que tu l'oublies et tu passes au prochain. Match numéro 2, et je pense qu'on ne se trompe pas, Benoît, c'est vraiment le match pivot de cette série. I just had to regroup and come back better in the second game. Voilà, 3 contre 2, Malkin, Crosby, à Malkin! Oh, et elle a fait tout un arrêt! I knew that the guys would respond, you know, we are responding to the whole playoffs. Elliott attendu par Gonchar, tente un tir, c'est bloqué, la rondelle revient devant, et le tir est le but! Cammy had unreal playoffs. Gomez à la ligne bleue, le tir de Schumann, et le but! He was scoring for anyone. Like, you would give him puck and he would create anything, obviously. Cavalieri inside, le tir est le but! He came back and we won this game too. Et le Canadien de Montréal va partager cette série de deux matchs à Pittsburgh. It was important, I think, to win the game too. We went back home. It was one of those series, like you mentioned, going back and forth, winning, losing the games. Malkin, René à la ligne bleue, à Gonchar, une feinte. Gonchar toujours à Malkin, Malkin, c'est le but! Ben voilà où était posté Crosby. Et Dupuis va sceller l'issue de ce match qui, évidemment, va placer cette série à l'avantage des Penguins de Pittsburgh. C'était comme... Il y a quelqu'un qui allait se lever à tous les matchs. Des fois, c'est le troisième trio. À Payet, et ensuite à Moen. Du côté gauche, à Payet. Son tir, et tout le monde contribuait à sa façon. Et il y a encore qui s'amène dans le coin avec Dash. Il est juste avant, réussit à prendre la rondelle. Dash, quand le surpointe, le retour vers la terre. C'est un gardien qui est dans une passe incroyable. Je pense que ça donnait confiance à l'équipe. Encore une fois, c'est nous les négligés. C'est eux autres qui ont la pression. Là, ils disent, hey, pas encore. Le Canadien vient de, encore une fois, détonner tout le monde. Et la série est égale 2 à 2. Wow! Malkin se déplace ensuite vers l'enclave. Laisse la rondelle à Le Temps. Le tir et le but! Et c'est repris ensuite par Michael Rupp, derrière à Le Testou, à Orphic, et le tir de Gonchar et le but! Là, soudainement, il n'y a plus rien qui fonctionne du côté du Canadien. Et on ne se gêne pas pour frapper allègrement du côté des Pingouins. Voilà Rupp qui reprend, la belle passe à Le Testou, le tir! Oh, et quel arrêt de Yaroslav Halak! Metropolit à Camilleri, le tir! Fleury donne le retour et Metropolit rate une chance en or! Encore 33 secondes à la période. Voilà le tir! Oh, et le but! Et c'est 2 à 1.
Ben, les Penguins de Pittsburgh vont remporter le match numéro 5, mais il n'y a rien de réglé dans cette série, pour moi. On tire derrière 3-2, le match 6 à Montréal. Encore à ce jour, j'ai jamais eu un amphithéâtre aussi bruyant que le match 6 contre Pittsburgh à Montréal. On avait tout le temps la confiance que même si on tirait de l'arrière, regarde, on l'a fait de la ronde d'avant. On a Christopher Letton qui perd le disque. Et c'est Cavallari en contre-attaque. Appui Canette, c'est Cavallari! Pouliot joue tout près. Tente de s'emparer de la rondelle, mais c'est Crosby qui passe à Connett, c'est raté. Et ensuite, le tir à l'avis! Oh, Sidney Crosby marque son premier de la série. Et c'est 1-1. Bonjour, Crosby à Letton. Et son tir à l'avis! Oh, la rondelle a échappé à Yaroslav Halak. Voilà Kostitsyn. Oh, qui va là, Cavallari! Benoît, ça n'a pas cessé depuis qu'on est à la pause. La foule est debout, c'est incroyable le niveau de décibels qu'il y a ici. Sur le banc, tu avais de la misère à te parler à un autre joueur, puis ça criait tellement que ça te sciait dans les oreilles, ou presque. Là. Gomez, Frame, laisse la rondelle à Jonathan, le tir bloqué par le temps. Et le retour vers Spacek, son tir est debout! C'est Lapierre qui reprend devant Gordigoski. Lapierre toujours avec une belle feinte devant le filet. Et le tir est debout! Wow! Et le Canadien vient de forcer la tenue d'un septième match à Pittsburgh mercredi soir. Quand on gagne le match 6, je me rappelle encore une heure et demie après le match, tu sais, on quitte la Sandbell, puis le monde sautait sur nos autos, ça capotait. Match 7, on rentre dans le match. Hey, on l'a fait contre Washington en première ronde. On vient de gagner le sixième match à Montréal qu'on tirait derrière 3-2. 38 secondes dans le match, boum, on marque un but. Zuban, un autre pénalité. Oui, il y aura une autre pénalité, alors il faudra donner la rondelle au point. Oui, bang, bang, on en marque un autre. Derrière le filet. Oh, la pierre attaquée durement par Warpick. Warpick en rajoute devant l'arbitre qui regarde. Et là, c'est libre pour Moore. Le tir et le but! Camille avait marqué ses buts là, sur un genou. Spacek de l'autre côté, Cavallari tire, et le but! Définitivement, les buts tôt dans le match, ça a fait une grosse différence. Ça nous a donné confiance. Ça a peut-être fait un petit peu paniquer l'autre équipe. Kounitz qui reprend la rondelle. Kounitz, oh, avec une passe encore interceptée cette fois par Travis Mowen. Et Mowen continue à l'autre bout. Il tire, le but! We end up winning two, last two games, so it's always nice when you're on that winning side of the playoff series. Bravo aux Canadiens de Montréal qui accèdent à la finale de l'Association Est. Wow. Et cette merveilleuse histoire se poursuit de plus belle. On en a manqué un peu contre Philadelphie, mais de vivre ça à Montréal, ça a été vraiment incroyable.